force. Chaïra, comment se fait-il que tu sois ici? Le général Smiley m'a demandé et j'étais heureuse de travailler auprès de toi. Nous ne nous sommes pas vus souvent depuis que tu m'as épargné la vie, Alexandrie. De contrition, mon Dieu, j'ai un extrême orgueil de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché me... Extrême! Cache l'égyptienne déçue. Jean! Dis Gisèle Tubeuf, surprise. Gisèle, tu n'as pas de mal? Demande X-13, inquiet. Quant à vous, un séjour derrière les barreaux devrait vous aider à réfléchir. La dague. Je ne comprends pas que vous soyez aussi jolie et tellement communiste. Cependant, je devine déjà que vous avez un beau corps de femme. Si vous veniez dans mon pays, vous pourriez être danseuse et gagner honorablement votre vie. Montez. Ce jour-là, Chaïra, j'avais vu juste. Oubliez le soleil, le sphinx silencieux. Il est d'autres merveilles, là-bas sous d'autres cieux. Les flammes du désert resteront dans vos yeux. Au cœur de nos hivers, elles seront notre feu. Je vous amène en ville, où nous serons heureux. Ma maison est une île, la vie n'y est qu'un jeu. Oubliez le soleil, le désert silencieux. Que votre cœur s'éveille chez moi sous d'autres cieux. Tu as vraiment un beau corps de femme. Et ma foi, tu gagnes honorablement ta vie. Mais tu es trop belle pour être une espionne. Je ne serai jamais trop belle pour travailler auprès de toi. Chaïra, je n'ai pas de cachette pour toi. Tu sais que je suis fiancée. Gisèle et moi, nous allons nous marier bientôt. Tu m'as dit tout ça. Mais un homme a le droit de regarder autour de lui. Je ne suis pas pressée. Je sais attendre. Mon jour viendra. Un couple ne peut pas toujours s'entendre. Tu auras des petites querelles. Et ce jour-là, ta Chaïra sera là pour te consoler.
nous oublions notre mission. Je n'ai pas oublié. Tu as rendez-vous avec le promoteur longtemps. Pour qui West luttait. Justement, les voici. Bonjour, Monsieur Gendron! Ah. Monsieur Longtemps, vous avez bien reçu mon offre de contrat. Je viens maintenant vous demander si vous êtes prêt à le signer, ce fameux contrat. Alors, vous savez, Gendron, il y a plusieurs jeunes qui veulent se lancer dans la lutte. Je peux pas engager n'importe qui. Tout ce que je vous demande, Monsieur Longtemps, c'est de donner une chance à mon protégé. Il arrive du rap ces jours-ci. Il a été retardé. Il est vraiment sensationnel. Peut-être bien, mais va falloir qu'il commence au bas de l'échelle. Les lutteurs inconnus, ça n'a jamais attiré personne. Ce ne sera pas facile de gagner sa confiance. Monsieur le lutteur français, complètement inconnu, voudrait qu'on déroule le tapis rouge. Mais tous les Français sont pareils. Dès qu'ils mettent le pied au Canada, ils veulent tout de suite passer à la télévision. N'en parlons plus, Monsieur Longtemps. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Seulement... votre concurrent, Williams. Vous connaissez Williams? Il est très intéressé à mon Hercule. Même que... il est prêt à l'engager. Mais moi, j'aurais préféré travailler avec un bon promoteur bien établi comme vous. Minute, minute, pas si vite, là. Disons qu'on en reparlera quand vous aurez les photos. Ça vous intéresse? Oui. S'il y a vraiment une étoile. Oh,